hommes, et dans quelques instants, nous irons justement les récompenser. C'est Jacques qui est un officier du côté de la présentation et la recompense des conseillers sur ce studio de préférence. Nous avons un peu de Albert, congratulations, an excellent race and your fifth consecutive victory. Yeah, it's always good, always more lead. Well, the race was difficult. My start was again a disaster, and well, I tried to did my race, I overtake Funer, and then I saw that I was much faster than Bass, so I kept calm. And well, I did my race, and when I saw that my pit stop was before, I pushed quite much, and then I take the lead, and I did choose my race, saving the tires, saving the fuel and everything, and well, we take the win, more lead, and we'll see in Barcelona. Ciao. Alors attention également du côté de la piste, cette fois-ci toujours du côté du camp de mission, une autre course, c'est lui qui va arriver à grand pas maintenant. Il s'agit des 2.0, alors là il y a toute la foule des 2.0, et vous allez assister encore une fois à une course exceptionnelle, je vous le confirme. Alors quand même, une chose qui pousse sa voiture, carrément, qui est allé par les conduits de sa voiture, et le départ va tourner, c'est parti. Général sur lesquels on est sur la petite marche, troisième position Nicolò Naglio, troisième position pour Nicolò Naglio, retour exceptionnel, deuxième position c'est un train pour Bachoto, et enfin la victoire, double victoire pour Albert Costa. Et pour le premier immense, découvrez à nouveau
Eric Thiébert, directeur de la gamme design de Charlotte Ford, technologie de Romain Montreau, troisième diode, Nicolas Malios, trophée de notre partenaire naturellement. On invitera également Jean Ragnoli. Oh, M. Ragnoli qui va récompenser le deuxième pilote Bas Chotox pour sa performance. Et puis Albert Costa qui va être récompensé des mains de M. Rémi Stricot, responsable des ventes et de la communication chez Charlotte Ford Technologies. Et puis, bien entendu, il y a le type qui joue un rôle combien important, et Sylvester Luxino qui va récompenser ce team avec sa responsabilité au sein du marketing global. Voilà, donc je vous invite à venir une nouvelle fois. Oh! Allez, ils sont chauds! Les équipes de l'Europe de Gaston-Bouy et de Nouille! Bonjour madame! Concours en t-shirt mouillé pour Albert Costa! Allez, coquin! Ah oui, je ne fais pas toujours attendre, je ne fais pas toujours voir le contest, hein, c'est une clé à la tête. Ah, ça sert à rien, plus belle comme ça. Alberto Costa. Oui, yesterday, last race, so everything is going good. We're gonna stay working like that and we'll see in the final what's gonna happen. Voilà, il ira sur cet air, Albert, bientôt, et il sera en Catalogne. Il va essayer de gagner ce titre après avoir pris la première position avec beaucoup plus de facilité qu'hier. Donc voici quelques propos de la part du leader. Sachant que nous allons procéder maintenant au deuxième podium, celui réservé à la tête de notre trophée. Vous savez, mesdames et messieurs, que Renault Sport tient particulièrement à ce jet de notre trophée. On va inviter le troisième pilote à venir nous y rejoindre hier. Il a chuté au prix de ce podium. Le voici dessus, Jean-Charles Gignac. Troisième. Deuxième podium pour Michael Lehmann, deuxième podium pour Michael Lehmann, aujourd'hui la bien, 50 maisons, et puis la victoire pour Jean-Charles Chotin, mesdames et messieurs. Et avec ce trio, nous allons découvrir quelques mondes.